Salut amis de YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Avatar Frontières of Pandora, épisode 2. Alors comme j'avais pu le dire dans l'épisode précédent, visuellement c'est extrêmement beau. Alors je sais pas, ça rendra peut-être pas aussi bien sur YouTube je pense, avec la compression j'essaye de faire au mieux, mais je ne sais pas si mes vidéos rendront ce que le jeu rend en réel. Donc voilà, au début là je vais faire quelques petits réglages aussi, je peaufine quelques réglages vidéo, donc il y a une petite coupure là, mais rien de bien méchant, on ne voit presque pas cette coupure. Donc je vous dis bon visionnage, et puis je vous retrouve en fin de vidéo, à moins qu'il y ait quelque chose dans cette vidéo qui me fasse intervenir à tout moment. Allez, à tout à l'heure. Bon, malheureusement, lors du montage, je m'aperçois que le logiciel vidéo, du fait de certainement de mes petits réglages, m'ont fait faire un retour bureau. Ce qui fait que le logiciel n'a pas capturé, zoomé sur l'écran. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, je laisse quand même cette vidéo qui fait suite à la première, pour pas qu'il y ait un trou béant au niveau de l'histoire. Bon, certes, c'est pas très sympa à regarder, mais voilà. J'en suis navré et désolé, mais je ne peux rien faire pour revenir en arrière. Merci quand même aux personnes qui mettront un petit pouce sur cette vidéo. Et bon visionnage si vous souhaitez quand même regarder cette vidéo. La cascade. La base de la résistance doit être là-haut. Thank you.
n'entends rien du tout, Priya. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ouais, je sais. Oel Nyati Kamiye. Quoi? Te voilà. Approche. Bon, ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Ce qui... Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Salt Lake m'a sauvé. Où sont les autres? Ritnela et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacuée. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi? 16 ans? Alma. C'est pas possible! Vous devez comprendre. Vous revoir... Tous aujourd'hui, vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute, prends ton temps. Raj va s'occuper de toi, Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi ici. Tu verras. Seize ans. Ça paraît irréel. Ouais, Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non? On a plein de matos. Il est là-bas. C'est lui, Raj? Il est plutôt cool. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, désolé, je... Alma m'a dit... Je connais Alma. Elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Je suis nouvelle. Relax, nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? C'est important, le style. Ça... Salintu... Non. Ça...
Sarentou. C'est Sarentou. Vous... Je peux vous donner quelque chose en échange? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Na'vi. Ils sont étranges, non? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie! Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques? Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. Taylan, toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça? C'est mon SID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein? Adjir n'aime pas son nom, mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Na'vi, pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la tape? Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous? Non? On pourrait? Ce sera amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le! On a bien failli tout perdre. Heureusement, Pandora s'en remettra. Tiens, jette un coup d'œil. Prends bien soin de toi. J'ai bousculé Harding une fois dans un couloir. Tu veux dire, tu l'as bousculé au sens propre? Ouais, elle a pas dit un mot. Mais je sens... Encore son regard. J'aurais dû demander à Dany de m'apprendre à tenir une arme.
J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer? Mes données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce fichu câblage. Tu peux y jeter un œil? L'outil devrait se caler sur la fréquence. Facile. C'est du gâteau. Oh, les gâteaux me manquent. Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire ? Je crois que c'est bon. Tu vois ? C'est utile, non ? Je l'ai dit à Alma. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Ils agissent comme si Pandora avait des ressources inépuisables. Elles tiendront sans doute un bon moment encore. Mais elles s'épuiseront, comme chez nous. Ce sont des systèmes fermés, donc ils ne dureront qu'un certain temps. Cette pollution est écœurante. Ouais, hein? Touche-le. T'as qu'à le faire, toi. Allez, regarde, c'est tout mou. Comme tous les champignons, tu me diras. Mais celui-là, encore plus. Oh, je devrais peut-être profiter de cette accalmie pour travailler sur de nouvelles technologies.
agents biomimétiques. Blindage de nacelle, filtrage d'air, système de refroidissement. On peut en faire tellement de choses. Voilà! Je ne sais même pas si c'est possible. Taylan m'a dit que tu t'en étais sorti. J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais
pour aller où? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi? Toi, moi, Ritnella, Taylan? On pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nor, allez, viens. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente ici. Je veux en profiter. Après avoir passé autant de temps dans une boîte en métal, au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles. Comme nos anciens. John Mercer, fondateur du programme TAP. Les Sarentu le connaissent bien, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé? On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des conteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Na'vi t'écouteront. Alma? On a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là? Mercer aussi? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre. L'empoisonne. La souille. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lek, tu peux établir un périmètre de sécurité? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le SID. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal.
Et voici qu'arrive la fin de cette vidéo. Petite action qui devrait arriver sur la prochaine vidéo. Donc ça, c'est sympa. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire si cela vous fait plaisir. Et ça soutient. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !